Pascal Trad, vous êtes le prix de l'entrepreneur mondial et ce soir vous avez remis le prix de l'entrepreneur de l'année à Gilles Falin pour la CIL. Vous aviez une remarque à lui faire. D'abord, je suis très fier d'avoir remis ce trophée, de le transmettre à Gilles, et qui va, j'espère, le porter très haut et très fort. Et j'espère que ça va donner un dynamisme et une dynamique assez importante à son entreprise pour qu'elle aille encore beaucoup plus loin. La remarque que j'avais, c'était pas vraiment une question, juste une remarque. J'ai été toujours fasciné par ces chefs d'entreprise, dont je fais partie, en tout cas modestement, qui partent de rien, mais qui créent une vie partant du sable, partant de la terre. Et je me disais que c'est presque biblique, cette affaire-là. Gilles Falin. Oui, ben d'abord, moi je suis très très fier de succéder à Moed. Je sais que la succession sera très difficile, la charge sera lourde à porter, mais j'essaierai d'en être digne. On est sur des métiers complètement différents et l'histoire de notre entreprise est un peu différente dans la mesure où, comment dirais-je, je suis le premier d'une seconde génération. Mon père et ses associés avaient semé et je pense que j'ai fait germer, comment dirais-je, la graine. Et quand je suis rentré dans l'entreprise, on était 40 et on est aujourd'hui un peu plus de 1000. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour développer ça. C'est la passion, c'est l'amour du métier, c'est aussi, comment dirais-je, une ambiance chaleureuse, familiale. Vous avez vu que nos cadres étaient là, le délégué syndical donc, est venu, donc on l'a fait monter sur scène. Ça montre, je crois, un état d'esprit que nous avons dans l'entreprise. Et comment dirais-je, c'est un modèle social que j'essaie de faire perdurer, de mettre en place. On a signé des accords égalité homme-femme, on a signé des accords qualité de vie au travail, on a fait un accord enfant malade, c'est-à-dire que quelqu'un peut donner des journées pour en passer. Donc je tiens beaucoup à ces affaires-là. Et la vie d'entreprise, c'est du business, c'est des affaires, c'est de l'argent, mais c'est aussi la vie, tout court. Bravo en tout cas aux entrepreneurs de l'année, qu'ils soient national ou mondial. Merci. Merci. Merci.